a visitare la Tunisia, che è molto, molto bella, è sicura, fa caldo, c'è un bel ambiente, le persone molto accoglienti. La Tunisia è molto bellissima? Sì, è bella. Do you love Tunisia? Yes! Tunisia is good? Good! Yes. Catch Tunisia! The people is very friendly. Yes. Yes. You are from any country? Portugal, yes. A different country with Arabic influences. Yes, I like it. How many person you are? 75. Yes. From the south of Portugal, Algarve. Yes, in Lisbon. But my village is a beach of Armação de Pera. It's a small village. A small village with Algarve and a tourist village in the beautiful. I try to visit it. Yes, yes, yes. I try to visit. The people is very friendly and good. Weather. Yeah, weather. Yes, and weather. good beach. Yes, okay. Very. Do you feel insecurity here? Yes. A lot of police. Yeah, I'm very security. Yes, yes. Okay. Yeah, completely. Yes. He's in Djerba. Djerba? Yeah, he's in. Okay. And you? Djerba. Se recomendávamos. Ah, claro. Yes. So, what is special in Tunisia here? Something special, very special. Well, we arrived at 2 days. We don't know yet, but we're feeling good here. How many days you will stay here? 7 days. Just 7? Yes. What about you? Yeah. How many days you will stay here? The same. We are all together. So we came and we go back together. Okay. Tell me more about Tunisia. Well, it's a nice country. Pour l'instant, on est à Mamet. On est venu aujourd'hui à Tunis. On va maintenant au village Blanc et Bleu. C'est ça, exactement. Okay. Et demain, on va au dessert. Tous les ans, on voyage en groupe. Donc, on a déjà fait plusieurs pays et la Tunisie, bah, c'était un des pays qu'on voulait voir. D'accord. Et quels sont les points positifs? Ah, il y en a beaucoup. Le temps, on n'est pas très loin du Portugal. Les gens sont sympas, la sécurité aussi. Donc, les prix. Bienvenue en Tunisie. Bonjour. Bonjour. Merci. Ça va? Oui, ça va. Je viens d'arriver. C'est la première visite en Tunisie? Oui. Oui, on est venu avec ma famille en croisière. Okay. On vient de Sicile. Et c'est le dernier jour de la croisière. Du coup, bon, on est un peu triste. Les vacances vont terminer, mais elles vont terminer bien parce que là, on vient d'arriver, mais c'est vraiment beau. On a fait une croisière pour faire un peu le Méditerranée. Et les autres villes, je les connaissais déjà un peu. Et c'est la première fois en Tunisie et j'aimais bien, j'avais hâte de venir ici. J'étais curieuse de voir un peu le pays, d'échanger un peu. Et ça a été un bon tour parce qu'on a fait un peu l'Italie, la France, l'Espagne. Et du coup, on a changé plusieurs pays. Et là, c'est vraiment différent de l'Europe. On est à côté parce que nous, on vient de Sicile. On est vraiment à côté et on est voisins. Et il y a des choses pareilles, mais en même temps. Bah, le soleil, la chaleur des gens. J'ai l'impression que les gens sont gentils. Il fait chaud, c'est l'ambiance un peu en général, mais on voit que la culture est différente. Ok. Alors, vous êtes un groupe de famille, non? Oui. On va faire un tour un peu vite fait parce qu'on va rester 15 jours et on va repartir cet après-midi. Mais moi, j'étais curieuse parce que je voulais connaître un peu et je crois que je veux revenir juste pour faire la Tunisie. Spécialement pour la Tunisie? Spécialement, oui, c'est parce que c'était en croisière, c'est bien de faire une vacance, voir un peu tout, mais on n'a pas vraiment le temps de voir. Mais un jour, et ça te donne la possibilité de voir si ça peut te plaire. Et après, moi, je pense que je vais organiser un autre voyage pour venir ici, bien connaître mieux la ville et en général le pays. Non, j'avais vu l'année dernière, j'avais fait des recherches parce que je voulais venir travailler ici pendant un an. Il y a un projet de l'Italie et j'avais vu un peu
c'est bien parce que pour moi ça pouvait être la possibilité de voir un pays hors d'Europe, mais pas trop loin à niveau soit à niveau de géographie, et soit aussi des cultures, parce que même si on a des cultures différentes, on est proche, on est pas trop loin. Non, j'avais pas d'aspettative parce que c'est la première fois que je suis in basso dalla Sicilia a visitare una città grande, però finora mi piace la città, mi piace l'ambiente. Il a dit qu'il avait pas d'attente, il savait pas quoi il allait trouver, parce que c'est la première fois qu'il va en sud de Sicile, mais jusqu'à là il est content et il a une bonne impression de la ville. Okay. Au niveau de sécurité. Au niveau de sécurité, on a vu qu'il y a beaucoup de militaires. Je ne sais pas si c'est pour la sécurité ou parce que c'est dangereux ou non. Parce que pour être... moi, je me sens tranquille. Au moins, le morceau de route qu'on a fait, je ne sais pas. Mais je vais pas trop de... Oui, bien sûr. Là, je viens d'arriver, mais j'ai vraiment une bonne impression. Et je crois que je veux revenir pour visiter mieux la Tunisie. C'est tranquille, il est trop beau, il y a des beaux couleurs, le soleil, la chaleur, et ils vendent de trop jolis trucs. Du coup, venez visiter la Tunisie. Oui. Il y a des gens vraiment chaleureux qui vous attendent. You are from? Brazil. All group. Mexicans. Yeah, come. Oh. JTP, please. So, first of all, do you love Tunisia? Si. Do you love Tunisia? Pues que no. Tunisia, gosto de Tunisia. Me encanta Tunisia. Muy bonito. All from Brazil, no? No, Brasil. Brasil, Colombia. 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 Los otros Colombia. Acá Brasil. Brasil. Why you chose Tunisia like destination? Sim, gostei, um país muito alegre, um país muito bonito, muito belo. Nas pessoas muito agradáveis. Belíssimo. So, can you recommend the people to come to Tunisia? Sim. Recomendamos a todas as pessoas a conhecer essas maravilhas que há aqui nesse país tão belo. Ok. Vou tirar uma selfie aqui. So, what is special in Tunisia? O que eu achei especial? Yeah. Você. So, do you eat some food here? The food é tabule. Tabule? Alimentação. Eu quero okay. Um tabule. E nos passeios turísticos acá. You are from any country? Yes, I'm from Canada. Canada? Yes. Okay, the first time you came to Tunisia? Yes. How you found it? It's pretty nice. Weather is pretty hot, and I don't know what else to say. It's so far so good. We just landed. Mm-hmm. Yes. You are a group, family, or? Yeah, there are 28 of us. Uh-huh. How many days you will stay here? Just maybe 8 hours. That's it, yeah. Okay. That's it. Because we came on the ship, right? We came on the cruise liner. Uh-huh. So we're only here for 8 hours. Okay, do you eat some food here? Not yet, we will. Maybe in the next hour. So we're going to go to the mosque. Okay. We're going to go and have a look. And then after the mosque, I think we're going to about 2-3 other destinations. We're not sure yet. But yeah, it's good. Thank you. It's good. Why you chose Tunisia like destination? We just in on the cruise ship. Cruise ship, so they brought us here. It's a good experience. What is special here in our country? We want to see the mosque, the Medina, and then... Okay, old town. Old town, yeah. Okay. The history. Yeah? History. Yes, the history here. History, yeah. And in our education system, they learn about Tunisia, so we wanted to experience it. In your school? Yes. Uh-huh. Yeah. So, do you know some information before? Yes. What do you know about Tunisia? Tunisia is very big. A lot of people speak Arabic in Tunisia. Sometimes. What's in the food? I don't know. I thought you did the food in Tunisia. Tagines? What? Right? Okay, no problem. Yeah, tagine in Tunisia. Yeah. Yeah. Associated with Tanzania. Yeah. I was born and raised in Tanzania, so that's. All these things brings back East Africa.